Je me suis rendu compte, mes pieds, ils sont éclatés. J'ai les pieds dégueulasses. Il y a peu de temps, j'ai fait une fiche pédicure. Vous connaissez fiche pédicure? Tu vas chez l'esthéticienne et tu mets tes pieds dans une bassine d'eau. Et les petits poissons, ils mangent les peaux mortes. Ben moi, ils sont morts, les poissons. Il y en a un, mais il a sauté au-dessus de la bassine, il a voulu se suicider. Et à peu de temps, je suis allé voir aussi un podologue. Vous connaissez podologue? C'est un genre de mécanicien des pieds. Et le podologue, quand il a vu mes pieds, m'a dit « Monsieur, je sais ce que je fais, je suis médecin. » Et pour moi, les podologues, ce n'est pas du tout des médecins. Hein. Il n'y a jamais quelqu'un qui a fait un malaise dans la rue, il y a eu un attroupement. Il y a un mec, il est arrivé, il a dit « Écartez-vous !» Je suis podologue. Et il va mourir, mais les pieds, nickel, franchement. Monsieur, vous avez fait un AVC, mais vous inquiétez pas, je suis podologue, je vais vous faire guiller sous les pieds. C'est un truc de fou, les pieds. Ça me fascine, les doigts de pied. Ils sont 5, les doigts de pied. Ils sont de la même famille, mais il n'y en a aucun qui se ressemble. Ils ont chacun leur personnalité. T'as vu, gros orteil? On dirait qu'il a arrêté la clope, il a pris 30 kilos. Ce gros porc. Et celui, il me dégoûte. Il est dégueulasse. C'est celui qui est à côté de gros orteil. Moi, je l'appelle Avrel. Parce que parfois, il a une malformation et il est plus grand que gros orteil. Il ressemble à un taco aussi. Il est dégueulasse, celui-là. Et mon chouchou, ah mon chouchou, celui que je préfère, c'est Petit Orteil. Miskin, le pauvre. Il a pas beaucoup d'ongles. T'as envie de l'envoyer chez Carglass et mettre de la résine? Et même s'il a pas beaucoup d'ongles, les filles, ils veulent quand même essayer de mettre du vernis dessus. Mais il n'y a pas la place, il n'y a pas la surface, c'est le naturel. Son rôle sur Terre à Petit Orteil, c'est quand tu te lèves la nuit, il te rappelle là où sont les angles des meubles. Il y a des chaussures de filles aussi qui me dégoûtent, qui sont dégueulasses. C'est les chaussures de filles où il y a un trou au bout et tu vois gros orteil. Et t'as vu ce débile de Avrel, il essaye de passer sa tête là comme ça. Il croit qu'il y a une ambiance à regarder, il y a la fenêtre ouverte comme ça. Il me dégoûte. Elles sont dégueulasses ces chaussures de filles là. Et au bout il y a un trou et tu vois gros orteil. Et elles disent ouais, c'est parce qu'il fait chaud, ça aère. C'est débile. Est-ce que nous les mecs on a un slip et il y a un trou et tu vois une seule couille? Ouais, mais c'est parce qu'il fait chaud, ça aère ma couille. Il y a pas mal de choses à dire sur les pieds. C'est vrai qu'il y a une vraie différence entre les pieds des filles et les pieds des mecs. Déjà au niveau de l'hygiène, les filles, vous coupez les ongles des pieds une fois par semaine. Les filles, ça se coupe les pieds une fois par semaine. Les mecs, c'est légèrement différent. Les mecs, ils se coupent les ongles des pieds à partir du moment où l'ongle, il attaque la chaussette. Quand l'ongle, il coupe le dernier fil... Le trou, il apparaît, la patate sort. Là, ça envoie directement un message d'alerte au cerveau. Et comme c'était pas prévu au programme, en général, il le fait au salon, devant la télé. Et après, il pose les ongles sur la table basse. Comme s'il mangeait des pipas, les graines de tournesol. Il se dit, il y a peut-être un petit oiseau qui va venir les récupérer, ça va nourrir toute la famille. Un mec qui se coupe les ongles des pieds, c'est un truc de foufou. C'est Call of Duty, les ongles, ils partent dans tous les sens, ça tire. Ta, 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 ta. Partout, c'est trop dangereux. Moi, l'autre fois, j'ai vu une fille dans le métro, elle avait un pansement sur l'œil. J'ai dit manifestation, grenade de CRS. Elle me dit non, ongle de pied de mon mec. Merci beaucoup, je m'appelle Tony Saint-Laurent.